Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons visiter le Centre européen du judaïsme, ouvert en plein Paris. Un vrai Paris. Suivez-nous. Joël Mergui, bonjour. Bonjour Steve, merci d'être là. Vous êtes le président de ce Centre européen du judaïsme, au cœur du 17e arrondissement à Paris. Cela a été inauguré il n'y a pas longtemps. Il y a eu une très belle inauguration. Racontez-nous. Je suis d'abord très heureux de vous accueillir et vous faire découvrir ce centre qui a été inauguré effectivement le 29 octobre 2019. C'était un autre monde. Il y avait dans la salle que nous allons voir tout à l'heure le président de la République, plusieurs ministres, toutes les personnalités qui ont contribué à la création de ce centre. Ce soir, je suis heureux que la continuité de l'État vous permette, Monsieur le Président de la République, d'en accompagner l'achèvement et de franchir avec nous une nouvelle étape en acceptant de l'inaugurer officiellement comme la preuve que nous avons eu raison d'espérer. Et donc c'était effectivement un moment très important. C'est, je crois, l'une des rares fois, en tout cas peut-être la première fois, qu'un président de la République inaugure un lieu de vie, de culture, de développement du judaïsme. J'ai eu l'occasion, malheureusement, dans ma mission, d'accueillir tous les présidents de la République à des moments tragiques, dans des cérémonies tragiques, et c'était effectivement un moment d'espoir que d'accueillir le gouvernement ici, avec des personnalités, pour créer ce nouveau pôle de vie, Place Jérusalem à Paris. Au-delà de nous, parce que le judaïsme est aussi la transmission, et que ce centre est un acte de foi dans le futur, une promesse d'avenir. C'est incroyable de voir cette salle comme ça quand on l'a vue remplie. Oui, ça fait quelque chose. Effectivement, c'est une salle qui a été remplie le jour de l'inauguration avec près de 800 personnes, le président de la République, le gouvernement, tous ceux qui ont aidé Patrick Drahi, David et Éric de Rothschild, la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France. Enfin, il y avait tous ceux qui ont contribué à ce que ce centre puisse exister. La famille Safra qui a été à l'origine de la synagogue. Et donc tout cela, on était là avec près de 800 personnes, des politiques, des artistes, beaucoup de la composante culturelle qui va donner vie et qui a commencé à donner vie à ce centre. Après, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont pu avoir lieu dans cette salle, des événements culturels. On a reçu Michel Boujna, on a reçu une conférence de l'ensemble des leaders européens des différentes communautés juives d'Europe pour réfléchir à la situation du judaïsme en Europe. C'était pratiquement un des derniers événements. On a reçu un gala qui était organisé par la famille Sandler, à la mémoire de Nathan Sandler et de ses enfants, dont le square qui est à côté porte leur nom. Et quelques événements ont eu lieu. Et puis, malheureusement, on a dû interrompre au mois de mars, reprendre un petit peu. Et ça fait quelque chose d'avoir un si bel endroit qui va faire rayonner la culture juive en France et en Europe. On pourra avec vous et puis avec toutes les personnalités du monde des arts et de la culture qui ont soutenu la création de ce centre et qui ont attendu et qui attendent qu'on en fasse un haut lieu des arts, de la culture, de la science, de la transmission du judaïsme, pour qu'on puisse effectivement avoir ici des conférences, des pièces de théâtre, des avant-premières, des expositions, enfin tout ce qui peut permettre de faire rayonner le judaïsme français, qui est un des plus beaux judaïsmes du monde, hein, on le sait. Je suis sûr que le meilleur reste à venir, et en parlant d'exposition, je vous propose de nous montrer l'exposition que vous avez à l'étage du dessus, qui est magnifique. Joël Mergui, pourquoi avoir décidé de construire ce centre? Est-ce qu'à votre avis, la communauté juive a de nouveaux besoins? Il y a deux questions. Oui. Le construire,
on était sur un terrain qui était promis par le président Jacques Chirac au grand rabbin de France Joseph Citruc il y a de très nombreuses années. Ce terrain était là, je rappelle leur mémoire à tous les deux, et le grand rabbin Citruc avait vraiment envie d'un grand projet dans ce secteur. Et puis les années sont passées, et lorsque j'ai été élu à la présidence du consistoire de Paris en 2006, j'ai été voir Bertrand Delanoë, qui était alors maire de Paris, pour lui demander de concrétiser cette promesse qui était dans l'air. Ça, c'est la première réponse, c'était un projet ancien auquel il fallait donner une impulsion et une vie. Je n'imaginais pas qu'il y aurait tant d'embûches pour arriver jusque-là, mais c'était un chemin, effectivement, dont on va parler, qui a pris du temps pour arriver ici. La seconde partie de la question, est-ce qu'on avait besoin de ce centre ? Oui, je pense profondément qu'il y a eu une mutation de la communauté juive pendant toutes ces années, depuis 20 ou 30 ans. La communauté juive qui était beaucoup installée en banlieue est venue vers Paris. Il y a eu des territoires, on a parlé des territoires perdus de la République, beaucoup de banlieues qui ont été désertées. Et puis le consistoire n'avait pas de structure ni dans le 16e ni dans le 17e arrondissement, c'est-à-dire dans l'ouest parisien. Et aussi parce que le consistoire a eu un patrimoine exceptionnel. On a des très belles synagogues. Il fallait aussi qu'il y ait une nouvelle structure qui corresponde à la nouvelle dynamique de la communauté, aux nouvelles générations de la communauté, au modernisme de la communauté. Et donc il fallait qu'on construise à côté des très belles synagogues comme les Tournelles, la Victoire, Notre-Dame de Nazareth, une synagogue adossée à un centre culturel pour que effectivement correspondre mieux aux attentes d'une communauté, d'une jeunesse, d'un bouillonnement de famille, d'un besoin d'identité, d'un besoin de culture. Et c'est pour cela que le combat était long pour mener, pour construire ce haut lieu. Là, le CEJ, hormis cette période qui va bientôt passer, nous le souhaitons tous, va proposer une vie culturelle. Donc ça va être un endroit de vie. Et par rapport à ça, l'idée est et de créer des formes d'activité pour qu'il y ait un quotidien dans cet endroit, c'est-à-dire des cours, des expositions, des masterclass, des réunions. Oui, c'est l'objectif majeur de ce centre. Si on peut schématiser, il y a dans la vie de la communauté juive, il y a la vie religieuse et il y a la vie culturelle. Et les deux sont indissociables dans toute l'histoire du judaïsme. On s'adresse en France à une magnifique communauté dans laquelle, dans chaque famille, il y a de nombreuses identités. Il y a, on connaît la table du Seder de Pessah, où il y a la personne très religieuse et la personne qui se révolte un peu. Il y a la personne, mais ils sont là. Donc il faut donner la possibilité dans ce centre que se côtoient les juifs du quotidien de la synagogue. Ceux qui ont envie d'étudier toute la journée, de prier le matin, le soir, de faire des cours de Talmud, de Torah, il y en a, de faire des cours d'identité du juif. Des jeunes, des enfants, il y a un collège ici qui étudie toute la journée, des jeunes qui viennent au Talmud Torah. Et à côté de cela, il y a des juifs qui se revendiquent comme juifs et à part entière, qui sont très engagés, qui ont plus envie d'apprendre l'hébreu, qui ont plus envie d'assister à une conférence sur le sionisme ou sur Israël. Et puis d'autres qui ont simplement envie d'assister à une exposition, de regarder des œuvres juives ou non juives, de pouvoir répondre aux attentes qui sont tellement variées de notre communauté juive, d'y répondre par des événements, par des moments privilégiés qui vont se passer une fois dans une semaine, une fois par mois, et puis par un quotidien. Commencer, interrompu, recommencer avec des cours pour les enfants et des cours de théâtre, des cours de musique, des universités du CEJ, des cours de peinture, des cours de chant, tout ce que la communauté a envie d'apporter à ses enfants. Et tout ça, ça se construit progressivement. Il faut qu'on ait des hautes ambitions. Il faut que les hautes personnalités qui aiment le judaïsme, qui aiment la communauté juive, qu'elles soient juives ou non juives, qui passent dans cette émission de temps en temps, oui, ou régulièrement, et qui viennent redire leur amour de la communauté juive. On avait entendu un Premier ministre, Manuel Valls, dire « La France sans les Juifs ne serait pas la France ». Alors voilà un haut lieu
qui va permettre justement à la France de voir le judaïsme s'épanouir. Merci pour toutes ces paroles. Moi, je crois, comme vous, que la communauté qui vit en France et qui a besoin de se cultiver, qui a besoin d'une certaine forme d'événements et d'éducation, et c'est comme ça qu'apparaît ce lieu qu'on découvre, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5000 m², c'est un lieu ouvert à l'art, et l'art aujourd'hui, autant que la culture, je pense que c'est un vecteur de transmission. L'art, quand on vient visiter une exposition ou qu'on écoute de la musique, on peut être complètement déconnecté du quotidien juif religieux. Mais quand on voit une exposition d'Anna Kleinman, on peut retremper dans son passé et dans l'histoire, malheureusement, de la Shoah, dans l'histoire douloureuse que nous avons eue. Et j'ai vu tant de personnes qui, au moment où elles ont un regard sur une image du passé, ou quand elles écoutent une musique aussi du passé, qui leur rappelle quelque chose, il y a au fond du cœur de chaque juif une petite flamme, une petite fiole, qui ne demande qu'à se rallumer. On ne sait pas, aucun d'entre nous ne sait à quel moment elle se rallume. Est-ce qu'est au moment d'une prière? Est-ce qu'au moment de regarder ces feuilles qui rappellent quelque chose? Même celui qui va franchir la porte de ce lieu une fois dans sa vie, mon ambition, et je crois que l'ambition de la communauté juive, ce qui me motive dans ma mission depuis tant d'années, c'est de me dire à quel moment ce juif dont on a besoin, parce qu'on est un trop petit peuple, va avoir son âme qui va se réveiller et va venir encore plus souvent à l'intérieur de sa communauté. J'espère que dans ce lieu, il y aura tant d'inspiration qu'il n'y aura plus une âme qui ne se réveillera pas. Je crois qu'il y a un endroit symbolique dans cette bâtisse qui résume la place de Jérusalem, cet endroit qui, j'espère, deviendra un des plus grands centres européens du judaïsme. Et un jardin qui a été baptisé Monsonego, que vous allez nous montrer et qui montre, et à la fois au niveau de l'âme et à la fois au niveau du ciel, à quel point c'est symbolique comme endroit, si vous voulez bien nous y amener. Donc là, c'est aussi un espace où on arrive à organiser un certain nombre d'événements avec, bien entendu, la terrasse extérieure. Ouais. La terrasse, le jardin. Lorsque nous avions pratiquement fini de construire le bâtiment et qu'on savait qu'ici, il y aurait le Centre européen du judaïsme, puisque ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus, la ville de Paris, Anne Hidalgo, ont proposé de nommer dans le square en face des allées au nom d'Arié et de Gabriel Sandler et de Myriam Monsonego, des enfants qui ont été assassinés à l'école de Toulouse. J'ai rappelé parce que le permis de construire de ce bâtiment a été obtenu la veille de cet assassinat. Et quelque part, en construisant, je pensais au Rav Yonatan Sandler, à ses enfants et à ses petites Myriam, en disant que nous n'avions pas le droit de renoncer et que nous avions le devoir de continuer. Et de les voir en permanence en face de nous, quand quelques mois après encore et un petit peu avant l'inauguration du centre, j'ai proposé à Anne Hidalgo que ce carrefour porte le nom de place de Jérusalem et ça a été accepté par la ville de Paris. Et on a inauguré avec le maire de Jérusalem cette place de Jérusalem avant d'inaugurer le centre et après avoir inauguré le square. Je crois que sont réunis ici beaucoup de symboles qui concernent à la fois notre histoire, d'avoir un centre juif européen, place de Jérusalem, c'est tout un message. De savoir que malheureusement, ces enfants sont enterrés à Jérusalem, mais qu'ils nous ont donné un message de continuer, celui qu'Eva Sandler nous a diffusé tout de suite après l'assassinat de son mari et de ses enfants,
celui que toutes ces familles ont continué à porter, celui que le terrorisme qui a tué tant de personnes juives et non-juives à travers les différents pays en France et en Europe. Je crois que le message que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir construit et de continuer à préserver et à promouvoir la vie. Mais en n'oubliant pas nos racines, Jérusalem, et le passé douloureux qu'on a pu avoir. Merci beaucoup, Joël Mergui. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci pour ce centre européen du judaïsme, ce lieu de vie. Je vous laisse aller rejoindre Didier Kazabi qui vous attend à la synagogue du centre européen du judaïsme, la synagogue Safra. Président Mergui, merci de me rejoindre. Nous sommes maintenant en plein cœur de la synagogue. La synagogue du CEJ face au rouleau de la Torah. Je me rappelle, nous avons eu l'occasion d'avoir un entretien ensemble dans le cadre de notre émission au moment du premier déconfinement. L'enjeu était le suivant. Est-ce qu'il fallait réouvrir les synagogues au moment de la fête de Shavuot? Et vous aviez pris la décision très forte à ce moment-là avec le grand rabbin de France de nous demander de maintenir les synagogues fermées pour ne pas mettre nos fidèles en danger. Nous sommes maintenant à l'époque de la réouverture. Quelle est l'optique du consistoire? Quelle est l'optique du rabbinat par rapport à la réouverture de nos synagogues et de la vie de nos fidèles à l'intérieur de la synagogue? Oui, on est au lendemain des fêtes de Hanouka. Dans un contexte sanitaire très compliqué en France, la première des choses, c'est que nous sommes toujours très respectueux des décisions qui sont prises conjointement avec le Premier ministre, le Président de la République et les autorités sanitaires. Deuxièmement, nous sommes respectueux de la vie. Ça fait partie des règles qui nous ont amenés avec des décisions extraordinaires que je salue de tous nos dayanim, de tous les juges, de tous les responsables religieux à travers le monde, de dire que s'il y a un risque pour la vie, on a le devoir de fermer les synagogues. À Shavuot, c'était juste le moment de la réouverture et accueillir beaucoup de monde sans avoir expérimenté des protocoles sanitaires sur lesquels nous avons travaillé pendant des mois, c'était prendre un risque. Et au moment de cette réouverture, en ayant discuté avec le gouvernement sur les protocoles qui nous permettent un siège sur trois, une rangée sur deux, après plusieurs allers-retours, il y a plusieurs visions. La première, c'était celle qui nous a imposé la fermeture. C'est le piquar nefesh, le respect de la vie. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est dans une nouvelle étape. Et j'appellerai cette étape, dans la tradition juive, Altifrotz minatzibur, ne te sépare pas de ta communauté. Je crois que le temps est revenu où nous pouvons revenir dans nos synagogues, où nous pouvons reprendre nos places. Alors je ne parle pas de tout le monde, bien entendu les personnes malades, fragiles, les personnes qui ont peur tout simplement, qui sont encore dans une période où psychologiquement ils sont en isolement. Celles-là, bien sûr, elles peuvent rester à la maison. Mais les personnes qui ont repris une vie sociale à peu près normale, dans les conditions d'aujourd'hui, celles qui prennent le métro, le TGV, les transports, qui vont dans les grands magasins, qui font leurs courses, celles-là n'ont plus de prétexte pour ne pas revenir à la synagogue. Nous connaissons tous, en France, l'importance de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Le financement des synagogues est financé essentiellement par les dons de nos fidèles lorsqu'ils viennent le Shabbat ou les jours de fête. Les synagogues ont été fermées pendant très longtemps et à la réouverture, eh bien, vous avez pris en main un projet que vous avez appelé le Synadon, où vous avez sensibilisé l'ensemble de la communauté à l'importance de faire vivre nos synagogues pendant justement la réouverture, au moment de la réouverture. Quelle a été exactement votre vision lorsque vous avez porté ce projet du Synadon? Qui avez-vous fait intervenir en particulier? Il y avait plusieurs objectifs à ce synadon. Le premier objectif, sans ordre de priorité, mais le premier objectif, c'était de rappeler dans ce moment difficile, un peu comme je le disais tout à l'heure, la centralité de la synagogue dans la vie du judaïsme. Sans synagogue, il ne peut pas y avoir de développement d'une quelconque des facettes du judaïsme. Je vois en traversant les villes de France, les endroits où la synagogue ferme, il n'y a plus de judaïsme. Et ce qui a été extraordinaire, c'est la réponse de tant de personnalités, bien sûr de grands rabbins. C'est normal que les grands rabbins disent qu'il faut soutenir la synagogue, et c'était important qu'ils le disent. Mais c'était important que des personnalités de tout rang, de tout bord, ce qu'ils ont dit eux-mêmes, être des juifs de Kippour, ou même des juifs qui n'allaient même pas à Kippour, ils ont dit combien la synagogue est importante. Ça m'a beaucoup ému.
Ça m'a beaucoup ému parce que de voir des personnalités juives dire que c'est important de soutenir la synagogue parce que c'est le pivot du judaïsme et de la vie juive, je crois que c'était un premier objectif atteint. Le second, vous l'avez rappelé, c'est que nous vivons une période où nous avons vu tous les corps professionnels de notre pays dire qu'ils étaient en danger économique. J'ai conscience que l'État ne pouvait pas aider, et ne peut pas aider du fait de la séparation de l'Église et d'État, les synagogues. Donc j'ai redit à la communauté, aux différentes communautés, vous êtes rabbin d'une communauté, vous savez comment ça se passe, dans une communauté on vient à la synagogue, on fait des dons quand on est à la synagogue. Quand on n'est plus à la synagogue, on prend un autre confort et on peut oublier les dons qu'on avait l'habitude de faire. Les fêtes de Tichri, le mois de Kippour, où on accueille dans nos synagogues un nombre très important de personnes, on a dû réduire par deux, par trois dans certaines synagogues. Donc les personnes qui avaient l'occasion à ce moment-là de faire un don pour soutenir leur synagogue, pour beaucoup, n'ont pas eu l'occasion de faire ce don. Donc c'était de dire, vous avez une structure, une synagogue, qu'elle soit d'ailleurs reliée au consistoire ou à n'importe quelle structure de la vie juive, c'est un lieu que vous avez le devoir de soutenir parce que personne d'autre ne le soutiendra. Le rayonnement du culte, c'est aussi un bien-être qu'on apporte à notre société dans un moment difficile. Oui, bien sûr, nous sommes dans une époque où il n'y a plus cette barrière infranchissable entre le culte et la société. Nos fidèles sont des individus, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui vivent en permanence au cœur de la société. Donc ils doivent aussi trouver cet équilibre avec leur vie intérieure, identitaire, juive, équilibrée, et aussi cette ouverture vers l'extérieur. Et d'ailleurs, ce lieu dans lequel nous sommes actuellement vient justement porter ça avec le culte culturel et le cultuel qui, main dans la main, avance parce qu'on finalement ne peut pas les séparer. L'identité dans le judaïsme, ce n'est pas une barrière entre le Shabbat, les traditions, le chant Hanouka, le déguisement de Pourim, tout cela, ça fait partie de l'identité juive. La langue hébraïque, l'attachement à la terre d'Israël, le regard tourné vers Jérusalem. Je crois que dans l'identité juive, il y a tellement de facettes. Quand on est dans une synagogue, on prie le samedi matin, mais tout le reste de la semaine, il se passe tellement de choses, tellement de conférences, tellement de cours, tellement de transmissions. On transmet, on rappelle la mémoire de la Shoah, la mémoire des déportés, on rappelle l'histoire de notre peuple, on apprend l'hébreu. Il y a tant de facettes dans l'identité juive, et particulièrement, je séparerai l'identité juive en Israël et l'identité juive en diaspora dans les différents pays du monde. En Israël, si on ne va pas à la synagogue, on est sur une terre juive, tous les symboles, on lit le journal en hébreu, on regarde, tous les paramètres sont rattachés à l'identité juive. Quand on est dans les différents pays du monde, le moment où on se rattache à son identité, c'est dans le bâtiment communautaire, qu'on soit religieux ou non. Il y a tant de personnes qui viennent à la synagogue simplement pour se rappeler des airs de leur enfance, pour rencontrer des amis, de la famille. Et je crois que c'est cette part d'identité qu'il ne faut pas qu'on rompe. Et effectivement, l'appel du Synadon, c'était cette resensibilisation sur la centralité fondamentale du rôle du bâtiment communautaire de la synagogue pour tout développer dans tout ce qui permet de dire « je suis français, américain, chinois, anglais, européen, dans chacun des pays du monde où on vit, mais j'ai une identité juive que je veux porter à l'intérieur d'un lieu qui me permet de m'en rappeler et de le transmettre. » Alors nous avons rappelé la centralité de la synagogue. Quelles sont les autres missions régaliennes? Vous êtes le président des consistoires. Quelles sont les autres missions régaliennes du consistoire? On parle souvent de la cacheroute, de la Chevra Kadisha. Comment est-ce que vous menez toutes ces différentes missions, toutes ces différents combats, puisque souvent c'est le cas, et qu'est-ce que ça nous apporte exactement dans notre vie juive et dans notre vie culturelle également? Oui, il y a de très nombreuses missions du consistoire. C'est le service quotidien du judaïsme à la vie juive. Ça part, on le dit traditionnellement, des premiers moments de la vie aux derniers instants, les plus lointains possibles, mais de la vie d'un être humain. On va rappeler que dans une synagogue, on peut faire la circoncision, qui est le moment du rattachement du peuple juif avec cette mission fondamentale.
Ensuite, il y a les périodes de la bar mitzvah où on va monter au Sefer Torah, on va lire dans les rouleaux de la Torah pour un enfant la première fois, on va mettre les téphilines, c'est aussi dans la synagogue et en lien avec notre institution. Après, il y a le mariage. Les mariages qui ont subi tant de difficultés, c'est-à-dire pendant la période du Covid, pendant toute cette période, des mariages qui ont été annulés. J'ai le souvenir de personnes qui, pour retrouver leur filiation juive, recherchent au consistoire le mariage de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et on arrive à retrouver dans nos archives la date du mariage, la synagogue du mariage, le rabbin qui a fait le mariage. C'est une richesse énorme dans ce moment où des fois on se marie un peu vite. Il faut repenser que le mariage que vous célébrez, Rabbin Kassabi, dans une synagogue, il est enregistré et dans un siècle, on retrouvera sa trace. Et donc dans un moment où les Juifs partent d'un endroit à l'autre, c'est tellement important de retrouver la filiation. On a des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont dans n'importe quel pays du monde, qui nous appellent pour essayer de retrouver où a eu lieu le mariage de leurs parents, ce qui leur donne la possibilité de dire que leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sont juifs. C'est une mission essentielle que le mariage dans la synagogue enregistrée par nos services. On a parlé de la cacheroute. La cacheroute, c'est la rigueur du combat que nous menons pour que les juifs puissent manger selon leur tradition. Cette cacheroute, elle est en difficulté aujourd'hui. Vous le savez, on est dans des combats auprès de l'Union européenne, avec notamment l'aide de nos grands rabbins et du grand rabbin Fison, où on se bat pour que la notion de bien-être animal ne vienne pas remettre en cause cette pratique qui a été la première pratique du bien-être animal. On nous reproche d'ailleurs souvent, au niveau de la cacheroute, que ce soit une habitude communautariste qui nous enferme sur nous-mêmes. Qu'est-ce que l'on pourrait dire justement sur cela? Est-ce que la cacheroute est vraiment quelque chose qui enferme le peuple juif sur ses traditions? Est-ce que ça empêche de vivre dans la société aujourd'hui, une société moderne? Ça, on peut le dire de toutes les pratiques du judaïsme. La pratique du judaïsme a été faite pour nous donner un certain nombre de références et de liens avec différentes traditions qui nous permettent notre identité. Ça ne nous a jamais déconnectés de la société. Regardez, on est un tout petit peuple. On est un tout petit peuple. Quel que soit le pays dans lequel nous avons vécu, nous avons toujours été une petite minorité. Petite minorité dans des pays de Pologne, dans certains endroits, dans le Maroc, en Algérie, en Égypte, et de plus en plus maintenant, de plus en plus de minorités dans certaines villes de France. Le fait de respecter avec rigueur nos pratiques, qui sont le Shabbat, qui sont la cacheroute, ne nous a jamais déconnectés du quotidien d'une société. Au contraire, on a toujours été les premiers défenseurs d'une société. La kippa sur la tête, la brit mila que nous portons, le manger cachère, le respect du Shabbat ne nous a pas empêchés de contribuer à être des grands scientifiques, des grands artistes, des grands poètes, des grands juristes, de faire avancer la science, de faire avancer les arts, la culture, d'être des démocrates, d'être des hommes politiques dans tous les pays du monde. Et je crois que cette miscibilité de notre culture, de notre culte et de notre identité, elle a été à l'épreuve des millénaires dans lesquels nous avons été dispersés dans le monde entier. Donc oui, nous avons des pratiques religieuses, nous les revendiquons, nous les développons, elles nous permettent de rester ce que nous sommes. N'oublions pas que nous sommes un petit peuple et que nous avons envie de continuer à transmettre et ne pas nous perdre totalement. Et elles n'ont jamais été en contradiction avec notre rôle dans toutes les sociétés modernes et elles n'ont jamais été en contradiction avec l'évolution et avec la modernité. C'est ça, et on peut effectivement rappeler le fameux principe talmudique pour nous montrer cette force d'intégration dans les différentes sociétés de Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire que la loi du pays est la loi qui est pour nous la référence, ce qui n'empêche absolument pas le respect également des lois de la Torah. C'est trouver ce juste équilibre, ce parfait équilibre qui nous permet d'être des juifs impliqués socialement dans notre quotidien. Le dogme principal du consistoire dans lequel nous sommes aujourd'hui, le dogme principal, c'est patrie et religion. Il n'y a jamais eu de contradiction depuis l'époque du Grand Sanhédrin, qu'on devrait remettre à jour aujourd'hui dans la réflexion que nous avons dans la société sur les religions. Il n'y a jamais eu de contradiction entre notre engagement citoyen et notre fidélité à nos traditions et à nos lois.
Alors pour la cache-route, oui, sur toutes les arènes européennes, nous défendons la cache-route. Et en France, avec beaucoup de rigueur, les différents batédines, c'est-à-dire les structures qui gèrent la cache-route, comme le batédine de Paris, de Marseille, de Lyon, de Strasbourg, qui gèrent la cache-route, chacun dans sa région et dans sa ville, ont des exigences très importantes qui permettent à tous les Juifs de manger cachère. Et je voudrais rappeler dans ce moment la période que nous vivons, et particulièrement au mois de mars, juste avant Pessah. Nos shochatim, ceux qui font les opérateurs de l'abattage rituel, ont été dans des conditions sanitaires très compliquées. Parfois, certains ont été malades, donc ils n'ont pas pu y aller. Ils sont allés dans les abattoirs, dans des conditions très compliquées, pour pouvoir fournir de la viande cachère pendant toute la période de Pessah. Je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage, parce que c'est un métier difficile et qui est contraint de plus en plus par des règles sanitaires que nous avons acceptées, que nous soutenons avec des protocoles qui sont mis en place avec les vétérinaires et avec l'État, qui sont complètement respectés par notre institution et qui permettent de donner à manger cachère à toute la communauté. Vous avez évoqué les grandes étapes de la vie juive, avec la naissance, la bar mitzvah, la mise des tfilines. Mais je voudrais justement profiter également de l'occasion pour parler de la place des femmes et des jeunes filles au sein de la communauté. Lorsque l'on voit la construction, ce projet magnifique dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous nous apercevons immédiatement que la place réservée aux femmes est particulièrement importante. Est-ce une volonté de votre part ? C'est une volonté de la part de l'institution consistoriale depuis toujours et du judaïsme. On a toujours fait un faux procès à l'orthodoxie juive sur la place de la femme. Je rappelle d'abord que c'est l'orthodoxie juive qui a décidé qu'on est juif par sa mère. Hein, on peut être le plus grand rabbin du monde, hein, si la mère n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. Donc le rôle porté par la mère dans le judaïsme, il est essentiel. Les rôles différents qui peuvent être dans une famille juive entre le père et la mère ne mettent pas un ordre hiérarchique. Il y a un ordre complémentaire de l'homme et de la femme dans l'éducation des enfants, dans la vie familiale, dans la vie communautaire, dans la synagogue. Alors oui, dans les synagogues, on a la place des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, dans cette période, nous n'avons à aucun moment fermé la place des femmes dans nos synagogues. Contrairement à ce qui a pu être dit par-ci ou par-là, on a tout fait pour que les femmes puissent continuer à venir à la synagogue. Et c'est vrai que dans la construction de ce bâtiment, qui ressemble à beaucoup de bâtiments de la communauté juive, on a essayé dans la modernité des lignes du bâtiment d'avoir un espace d'abord clair, un espace où le dégradé fait que toutes les femmes puissent voir. Et la première chose que j'ai vérifiée quand on a, avant d'inaugurer, quand on n'avait pas encore les fauteuils, c'est de m'asseoir au fond, sur la dernière place de la synagogue, sur l'espace des femmes, sur une chaise, et de m'assurer que la femme qui était le plus loin pouvait assister ici correctement à l'office et également sur la sonorité du lieu. Non, ça c'est pour la synagogue, mais de façon générale, je crois que c'est essentiel de maintenir cette cohésion du couple juif et de la place complémentaire de l'homme et de la femme dans la vision du judaïsme, et de bien se redire que ça fait partie intégrante du judaïsme, et il ne faut pas dissocier ou mettre une hiérarchie dans les rôles de l'homme et de la femme dans le judaïsme. Et cela commence directement avec l'éducation, forcément, le Talmud Torah. Le Talmud Torah, dans toutes nos communautés, accueille les jeunes garçons, les jeunes filles, pour que tout le monde puisse avoir un accès éclairé à la tradition juive, au fait de lire, au fait de pratiquer. Enfin, il y a maintenant cette volonté auprès de tous les rabbins communautaires d'avoir une éducation équilibrée et ouverte et orientée vers les jeunes garçons comme pour les jeunes filles. Oui, le Talmud Torah, l'école juive, enfin, l'ensemble des paramètres de l'éducation se donnent aux garçons et aux filles. Et la bat mitzvah, je parlais de la bar mitzvah tout à l'heure, aujourd'hui de plus en plus de jeunes filles aiment bien ce moment de la bat mitzvah où elles expriment un certain nombre de choses. Et il y a une évolution aussi de la communauté qui est parallèle à l'évolution de la société. Il y a 50 ans, vraisemblablement sur le lieu des femmes, il y avait moins de femmes qui lisaient dans les livres. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles qui ont accès à l'éducation juive dans le Talmud Torah ou dans l'école juive, elles lisent de façon équivalente avec les garçons. Et donc, on a aujourd'hui, quand on est dans une synagogue,
on voit des livres ouverts, aussi bien dans l'espace des hommes que dans l'espace des femmes, et une lecture et un chant qui se fait pour tout le monde. Et je crois que c'est extraordinaire dans les capacités que nous avons de transmettre, et de transmettre un judaïsme varié, puisque notre communauté est une composante de personnes ashkénazes, séfarades, venant de tous origines, ce qui n'était pas le cas de nos grands-parents, qui étaient souvent d'une seule origine. Aujourd'hui, l'origine de la mère, du père ne sont pas obligatoirement les mêmes. Et c'est important que chacun, à sa façon, arrive à transmettre aux enfants les identités multiples que nous portons de par les traditions de nos parents et de nos grands-parents. Effectivement, cette notion de complémentarité est essentielle à notre époque, et non pas de combat pour savoir comment s'imposer, mais tout simplement comment vivre en juste équilibre au sein d'une communauté. Depuis la nuit des temps, dans toutes les communautés juives, quel que soit le lieu, il y a toujours eu une caisse de tzedaka. C'est-à-dire que pour nous, le lien avec Dieu ne peut pas se faire si mon prochain est en train de souffrir. Il y a quelques années de cela, vous avez ouvert, inauguré cette nouvelle notion, ce nouveau thème du secours juif. C'est-à-dire le fait de garder l'œil ouvert et tourner vers les autres, et être en mesure d'intervenir lorsqu'il le faut. Est-ce que cela manquait au sein de la communauté ? Quelle est la particularité ? Pourquoi est-ce que vous l'avez réactivé avec beaucoup de force ces dernières années au sein des synagogues ? Parce que ça existait. Ça a toujours existé. Comme vous le disiez, la tzedaka fait partie inhérente de l'action d'une communauté. C'était simplement, juridiquement, pour donner un cadre. On est dans le cadre du consistoire, dans une association de 1905 qui gère le culte. On peut effectivement tolérer qu'un certain nombre d'aides passent par l'intermédiaire du consistoire, mais c'est plus logique que ça passe par une association ad hoc qui est le secours juif. Et puis ça permet aussi aux personnes qui veulent aider de savoir qu'elles flèchent leurs dons sur une action sociale. Vous le savez, en tant que rabbin de communauté, qui mieux qu'un rabbin ou que le président de la communauté ou qu'un certain nombre d'administrateurs pour connaître les difficultés des familles et les accompagner. Je ne connais pas de synagogue qui n'accompagne pas leur action sociale, le Shabbat, les jours de fête, les paniers de Tichri, de Shabbat, de Pessah, à Hanouka, le visage des enfants. J'avais dit « illuminons nos synagogues ». Après le synadon, j'avais dit « sauvons nos synagogues ». J'ai dit « illuminons nos synagogues, illuminons le visage de nos enfants pendant la période de Hanouka ». Quand on sait qu'il y a des personnes qui sont à l'hôpital, on a des aumôneries, l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie des prisons, qui nous permet d'aller au contact, effectivement, des personnes en difficulté. Tout ça, ça nécessitait un cadre. Et puis, au-delà de l'aide financière, il y a l'aide psychologique que vous apportez et qui a manqué pendant cette période. Parce que l'aide financière, on a eu moins de dons et plus de besoins. Et ça, je le dis à tous ceux qui nous écoutent dans ces derniers jours de l'année pour continuer à aider nos structures. Mais il y a aussi l'aide psychologique. Qui n'a pas dans sa communauté un enfant ou une personne un peu différente ? Trisomique 21, autiste, en difficulté, qui retrouve le bonheur quand il rentre à la synagogue, parce qu'on lui donne la possibilité de chanter, d'être avec les autres. Qui n'a pas dans sa communauté une personne qui vit seule, qui a perdu toute sa famille, et qui vient le Shabbat, pendant ce traditionnel kiddouche, manger tout simplement, avec une vie sociale. Je crois qu'on oublie combien la synagogue est partout un vecteur essentiel de la solidarité, parce que ceux qui sont dans la synagogue connaissent mieux que quiconque le tissu d'une banlieue, d'une ville, d'une région, pour savoir qui il faut aider, à qui on va payer un loyer, à qui on va aider la bourse pour les enfants du Talmud Torah ou de l'école juive, qui on va aider à se marier, etc., etc. Les aides sont tellement nombreuses qu'elles sont difficiles à dire dans quelques mots, mais elles sont compréhensibles. L'humain et la solidarité se fait dans la synagogue, et le secours juif a été effectivement un moyen d'encadrer juridiquement et psychologiquement ce vecteur qui existe de façon inhérente à la vie du judaïsme de tous les temps. Je crois que dans une commune
dans une communauté même toute petite, qu'est-ce qu'on crée ? Hein ? On a la synagogue, on crée un mikvé, on crée une école et on crée une caisse d'action sociale. Voilà ce qui permet au judaïsme de traverser l'histoire et de traverser le temps. Le patrimoine juif en France, le patrimoine consistorial est considérable. Les lieux sont magnifiques, splendides. C'est une richesse de la communauté juive française qui est vraiment magnifique. Mais j'imagine, lorsque vous avez été en mesure de vous poser la question, construire aujourd'hui en France, est-ce qu'il faut encore construire ? Est-ce qu'il fallait encore construire un bâtiment comme le nôtre, une synagogue exceptionnelle ? Construire ou partir, c'est une question qu'on entend souvent. Quel est l'avenir de la communauté juive en France ? Comment vous, président du consistoire, vous avez pu prendre cette décision de construire aujourd'hui un bâtiment aussi magnifique que celui-là ? Vous avez raison, c'est une question, je le dis humblement, que j'étais dans le devoir de penser pas pour un bâtiment, de penser que le président du consistoire, le conseil d'administration du consistoire, les rabbins, si on prend une décision, c'est une direction qu'on donne à la communauté. Cette direction, effectivement, on l'a donnée ici, à un moment très difficile de notre histoire. Je rappelle simplement que le permis de construire du bâtiment dans lequel nous sommes, nous l'avons obtenu l'avant-veille, le vendredi, 3 jours avant l'attentat de Toulouse, qui a eu lieu un lundi matin à 8h du matin. Vous imaginez le trouble dans nos esprits, dans les semaines qui ont suivi, de savoir s'il fallait continuer à penser l'avenir en construisant ou s'il fallait partir. Aussi longtemps qu'on sécurise nos lieux, qu'on lutte contre l'antisémitisme, qu'on lutte contre l'ancienne nouvelle forme de l'antisémitisme qui est l'antisionisme, nous avons un devoir de résistance et de continuer, parce qu'il y a ceux qui sont partis, et personne n'a le droit de condamner ceux qui partent, personne ne peut se mettre à la place d'une maman qui a peur d'emmener ses enfants à l'école, mais nous avons le devoir aussi de penser à tous ceux qui restent. Et je pense que la réponse que j'avais donnée alors, en 2012, quand on a décidé de continuer à construire, que j'ai amplifiée après les attentats de l'hypercachère et de Charlie Hebdo, qui ont été le moment où nous avons commencé à construire ici. Cette réponse reste pour moi la même. Nous avons besoin de structures pour éduquer nos enfants, pour donner une identité, pour transmettre cette identité. Et je crois que quelque part, cette position a été bien comprise et j'ai pu depuis inaugurer des nouveaux bâtiments, rénover l'ensemble de notre patrimoine. Il faut bien penser, il n'y a plus une synagogue où vous rentrez qui n'a pas été rénovée, repeinte, mise aux normes, sécurisée, parfois climatisée. Je crois que cette décision, elle s'est imposée comme une vision générale de se dire, entre partir et construire, ceux qui partent, personne n'a à les condamner ni à les juger. Ils ont fait un choix qui fait partie du monde d'aujourd'hui. Mais ceux qui restent, nous avons le devoir pour eux de leur donner le meilleur et d'avoir des structures qui les accueillent le mieux possible. Joël Mergui, président des consistoires, merci beaucoup de nous avoir tout d'abord fait partager votre vision de la communauté de demain, la communauté juive en France, demain. Et merci de nous avoir fait découvrir ce magnifique bâtiment avec cette double mission, le culturel, le cultuel, pour une communauté juive active au sein de notre société. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver dès à présent notre échange et nos différentes émissions sur les différents sites de France Télévisions. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.